À Las Vegas, les grands restaurants font tous appel à des négociateurs spécialisés dans l'import-export. Paul est l'un des plus réputés. Dans son carton, un produit français particulièrement fragile et compliqué à transporter. Voilà, c'est ça. Mon beurre de Bretagne. Oui. La motte, beurre en motte. De la Bretagne, ça va à Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Charles de Gaulle à Los Angeles et de Los Angeles à Las Vegas. Et ça, au total, ça représente un énorme prix, le transport? Peut-être 75% du prix du beurre. En transport? On paye plus le transport que le produit. Tarif total avec livraison, 20 euros le kilo. C'est 4 fois plus qu'en France. Commande en petite quantité uniquement. C'est ce type d'exigence qui a permis à Claude, il y a seulement 5 ans, de décrocher directement ses 3 étoiles. Vous pourriez vous débrouiller tout seul ou pas? Au milieu du désert? Ben non, j'ai besoin d'un gars comme Paul pour m'aider parce que c'est un métier à part entière d'aller chercher les produits, les dédouaner, c'est toute une organisation, une logistique qui est énorme. Parce que des fois, ils bloquent des produits. Ils vont le garder 3-4 jours bloqué. Pourquoi? Pour une inspection. Mais moi, je suis ici, je n'ai pas le produit, alors je crie sur Paul. Mon réflexe au départ, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, c'était de faire venir maximum de produits de France. Mais c'est vrai que j'ai quand même diminué. Mais après, il y a des choses, je me suis aperçu qu'il y a des choses excellentes ici aux États-Unis. Il faut juste aller les chercher.